alors ce qui est fabuleux, on voit la pierre des Monts d'Or, quoi. Mais oui. Tout le socle est en pierre, voilà. Et puis en pierre jaune, en pierre grise et jaune. Voilà. Et là, je suis tombée sur un étudiant qui a fait un travail de recherche sur Fléchères. Et effectivement, il dit qu'il s'est basé sur le château de Fléchères. Puisqu'il y avait des recueils de du cerceau, et c'est vraiment ça. Il a pompé du cerceau, qui était l'architecte du roi, l'architecte de l'époque. On voit la même chose, quoi, carrément. Là, c'est pareil, il y avait un plancher qui avait été volé, qui a été retrouvé. Il est exposé, hein, tout marqueté. Ils l'ont exposé dans une autre pièce. Oui. Mais ce qui est fabuleux, je relisais la Bible, c'est exactement ça. Il arriva dans le temps qu'Assyrie israélienne, depuis les Indes jusqu'à l'Éthiopie, et sur 127 provinces. En ce temps-là, dis-je, le roi Assuérus étant assis sur le trône de son royaume à Suzanne, ville capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous les principaux seigneurs de ces pays et à tous ses serviteurs, de sorte que toute la puissance de Perse et de Médie, les plus grands seigneurs et les gouverneurs des provinces étaient levant. On montre les richesses de la gloire et la gloire de son royaume et l'éclat de l'excellence de sa grandeur. Ce qui dura plusieurs jours, savoir 480 jours. Oh là là, d'accord. C'est dingue. Voilà. C'est la Bible. Voilà. C'est la Bible protestante que j'ai carrément faite. J'avais une Bible à la maison. Et c'est exactement ça. Alors, il y a tous les épisodes. Oui, oui. C'est fabuleux. Avec l'histoire. Puis alors, c'est décrit avec toutes les richesses, les couleurs aussi. Je pense qu'il a dû retrouver ça. Oui, sans doute. Parce qu'il était... Oui, parce que c'est vraiment tout. Oui,